La pensée positive, on en parle au fil du temps, on en parle tous les jours. Dans une période où le pessimisme est de rigueur, il est important d'avoir une pensée positive. D'ailleurs, c'est ce que la Torah nous enjoint et on va en voir les conséquences dans la paracha que nous allons lire cette semaine, Be'alotecha. Il est dit en effet que le peuple s'est révolté et qu'ils furent pris de convoitise et ils ont demandé à manger de la viande. Et tous les commentateurs de s'interroger, mais attends, ils ont la manne qui prend le goût que l'on veut et malgré tout, ils veulent de la viande. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'y en a jamais assez. Le Netziv de Volozhin, dans son commentaire sur la Torah, l'Amek Davar, fait remarquer que le texte de la Torah met l'accent sur le comportement des enfants d'Israël qui de prime abord ne semble pas compréhensible. Qui ne serait pas content d'avoir à sa portée immédiate de la nourriture déjà prête qui prendrait le goût que l'on voudrait. Et pour expliquer cette problématique, il rapporte un passage du traité Yoma en 75a qui explicite le fonctionnement de la manne telle qu'elle a été vécue par les Hébreux et va résoudre la contradiction suivante entre différents versets. D'une part, la Torah nomme la manne comme étant du pain tombé des cieux, l'echem min hashamayim. Dans un autre verset, elle l'appelle Ogot. Ils en firent des gâteaux. Et dans un autre verset, elle déclara qu'on l'écrasait sous la meule. Sous-entendu qu'elle était à un niveau de préparation à minima. Pourquoi la Torah utilise-t-elle différentes appellations pour définir la manne? Et le Talmud répond à cette question de la manière suivante. Ça dépend pour qui. Pour les tzadikim, pour les justes, la manne apparaissait comme déjà cuite, prête à l'emploi. C'était du pain tombé des cieux. Pour les bénonimes, les gens moyens, elle apparaissait comme sous forme de gâteau, c'est-à-dire prêt à être enfourné. Mais pour les réchaïm, pour les impies, tout restait à faire et donc il fallait la moudre avant de pouvoir fabriquer la pâte nécessaire à fabriquer le repas. C'est ce dernier groupe qui a suscité un mauvais esprit au sein de l'Assemblée d'Israël. Même pour ceux pour lesquels la manne procure un réel plaisir, ils se sont sentis influencés par cela. En réalité, il y a deux catégories de personnes. Les personnes qui voient toujours le bien, même dans les situations difficiles. Et il y a des personnes qui trouvent un malin plaisir à voir le mal, alors que tout devrait aller pour le mieux. Ce sont ces personnes-là dont il faut se méfier, dont il faut se séparer, et faire en sorte que, au sein de l'Assemblée d'Israël, ne règne qu'une pensée éminemment positive qui nous permette, même au tréfonds de la nuit, même dans la souffrance ou la difficulté, de voir le bien, car nous le savons, demain sera un jour meilleur. Shabbat Shalom.